5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Respiration aujourd'hui par cette belle journée d'été qui enfin est là. La dernière fois, on a vécu une très jolie synchronicité avec mon invitée puisque elle avait passé un titre de Françoise Hardy qui est partie le soir même. Alors aujourd'hui, je vous propose un thème qui est méditation et féminin et je suis très heureuse de recevoir Marie-Laurence Catoire pour la parution de « Éclore enfin » aux éditions Le Duc. Alors pour commencer, on écoute un morceau d'un jazzman, Tony Scott, qui s'est collé au zen à cet exercice, et c'est le morceau « A Quivering Leaf Asks the Winds ». Bonjour Marie-Laurence. Bonjour Louise. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Et vous ? Parfait. Ravie d'être avec vous. Alors, je vais vous demander, on va commencer par cet exercice un peu difficile, mais je pourrais le faire, mais je vais vous demander de vous présenter. D'abord, je suis contente d'être ici et je trouve que c'est vraiment une très belle idée d'offrir de la respiration. Moi-même, je sens que j'en ai besoin. Ah, et ça fait du bien d'être là et de pouvoir juste respirer ensemble. Alors, moi, je pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Je suis devenue enseignante de méditation il y a un peu plus de 10 ans.
Mais dès mon premier séminaire, dès ma première rencontre avec la méditation, j'ai compris que ça allait changer ma vie. Et c'est étonnant parce que ça l'a changée sans rien changer. Mais elle s'est positionnée au cœur de ma vie professionnelle, de ma vie de maman, de ma vie d'épouse, de ma vie de femme sociale. Et elle a donné de la respiration, de l'ampleur et certainement beaucoup de dynamisme à une vie qui commençait à s'étioler. Une vie qui perdait de son sens. Donc voilà, on peut dire que je suis maintenant enseignante de méditation, que j'ai envie de partager ce que la méditation m'a apporté avec d'autres et je lis complètement la méditation et l'action. C'est pour ça que j'ai fondé un blog qui s'appelle Méditation et Action où je relate comment la méditation peut s'inscrire très joyeusement dans le quotidien des femmes. Bah, c'est d'ailleurs en lisant un passage dans votre blog que j'ai eu envie de vous inviter. Où j'ai trouvé que vous écriviez bien, c'était poétique, c'était un moment où vous étiez dans la nature, enfin à la campagne, dans votre maison. Et peut-être on pourrait ajouter que vous êtes quand même une chef d'entreprise. Oui. Hein, ça, on va le découvrir dans le livre. Hein. Et dans ce livre, éclore enfin manifeste des femmes indociles. Vous parlez de ma génération, de notre génération, hein, qui est la génération X, et puis après vous allez vers les autres aussi, et les autres femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et à quel besoin écrire ce livre répondait-il ? Alors oui, je suis chef d'entreprise, je dirige une agence de relations presse, relations médias que j'ai fondée il y a 40 ans. Donc j'ai accompagné beaucoup, beaucoup d'entreprises, des centaines d'entreprises dans leurs relations avec les journalistes. Dans ces milieux-là, dans la communication notamment, il y a beaucoup de femmes. Et je ne comprenais, beaucoup de femmes de ma génération notamment, et je ne comprenais pas pourquoi ces femmes qui étaient... comme moi, qui avait tout pour être heureuse, si je puis dire, et qui était, qui avait un bon poste, et qui était, que moi je trouvais belle, dynamique, intelligente. Pourquoi elles étaient quasiment toutes, sans exception, légèrement diminuées par un complexe d'infériorité. Pourquoi, dès qu'un homme entrait dans la place, elle perdait la leur. Pourquoi elle se mettait systématiquement en retrait. Pourquoi je me mettais systématiquement en retrait. Donc ça m'a interpellée, j'ai creusé un peu la piste, je me suis d'abord rendu compte qu'aucune étude n'existait sur ces femmes de la génération X, comme si c'était une génération fantôme, des femmes pas très intéressantes, coincées entre les baby-boomers et les millennials, beaucoup plus entreprenants, comme je le dis dans mon livre, ou entreprenantes. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose, donc je suis allée enquêter, en effet, je suis allée à la rencontre de dizaines de femmes, que ce soit mes clientes dans ma profession, que ce soit des psychologues, des sociologues, que ce soit des commerçants, des infirmières, et j'ai découvert que cette génération de femmes pouvait vraiment être caractérisée par, de la manière suivante, c'est une génération qui a subi de plein fouet la double contrainte. La double contrainte, c'est quand vous recevez un ordre et que cet ordre contient en lui-même l'impossibilité de le réaliser. On est arrivé, nous, Louise peut-être aussi, enfin, puisqu'on oui. est, vous le dites, de la même génération, on est arrivé dans la vie professionnelle. D'abord, on est arrivé dans le monde, on avait le droit de travailler, mais il fallait quand même faire des enfants. On avait le droit d'être jolie, mais il fallait quand même assurer comme un homme. On avait le droit d'être intelligente, mais il fallait quand même pas trop la ramener. Il fallait quand même rester bien à sa place. On nous proposait, on nous invitait à être innovantes, mais sans prendre trop de place là non plus, en restant bien, voilà. Et l'air de rien, on a accepté tout ça, on s'est d'ailleurs admirablement adapté, je puis dire, mais peu à peu, on a perdu de notre identité, parce qu'en fait, quand on vous demande en même temps, sans arrêt, d'être deux choses à la fois, une mère parfaite et une professionnelle accomplie, une femme sympa, sexy, mais en même temps pas trop, une femme intelligente, mais surtout pas plus qu'un homme. Enfin, ça complique beaucoup, beaucoup la position. Et je crois qu'au fil des années, c'est ce que j'ai découvert dans cette enquête, au fil des années, on est devenu un petit peu plus... on s'est tellement bien adapté qu'on a un peu disparu. On s'est tellement bien adapté qu'on s'est un peu invisibilisé. Pourtant, on a mené des combats, nous aussi, mais... Mais si vous demandez aux jeunes femmes notamment, et moi je suis maman de deux jeunes femmes,
est un jeune homme aussi, elles ont une visibilité pas évidente de notre génération, de ce qu'on a pu faire. Mais pourquoi on en est encore là, alors que vous, vos mères, donc leur grand-mère, avaient eu des combats féministes très forts, avaient obtenu le droit de vote, etc. Donc je me suis vraiment posé cette question-là. Pourquoi on en est arrivé là? Réponse, cette double contrainte, cette manière de subir notre vie au lieu de la vivre. Ouais, alors donc c'est exactement chronologiquement dans votre livre, ça démarre par subir, hein. Oui. Et c'est vrai ce que vous dites, enfin moi je l'ai vécu aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient non dites et on n'arrivait même pas à en parler, quoi. On n'arrivait même pas à en parler. Même entre nous. Même entre nous, c'est vrai, la parole ne circulait pas aisément. Il y avait quand même une forme de méfiance qui n'aidait pas forcément toujours à la sororité. Hein. Oui. Je pense que parler, dire maintenant ce qu'on a vécu et le fait que les femmes lisent ce livre, ça les libère et ça leur permet de parler à leur tour. Et, enfin bon, c'est tout ce qu'on voit en ce moment, n'importe comment, la parole se libère. Donc on devient plus solidaire. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à l'âge de 40 ans, je jouais bien tous ces rôles sociaux. Mais quand vous jouez bien tous les rôles sociaux, vous ne savez vraiment plus qui vous êtes. Est-ce que je suis la Marie-Laurence chef d'entreprise, puisqu'on l'évoquait? Est-ce que je suis la maman de la Marie-Laurence, maman de trois enfants? Est-ce que je suis l'épouse fidèle? Est-ce que je suis l'amie sur laquelle on peut... Et ça rend un peu dingue, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vraiment besoin d'un travail de réunification de toutes ces personnalités, parce qu'à jouer trop bien et trop de rôles sociaux, on perd son centre, on perd son alignement. C'est surtout que c'est épuisant. Et c'est épuisant. Dans le moment particulièrement où les enfants sont petits, c'est vrai. Quand on a la chance d'avoir un mari ou un compagnon disponible, gentil, collaborant, on s'en sort. Mais si c'est pas le cas, c'est le burn-out. C'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est qu'en fait, on pourrait dire que ce livre, c'est vraiment un hommage à ces femmes de la génération X que je trouve, et je pèse mes mots, héroïques. Ce sont des Wonder Woman sans le savoir, et c'est bien si elles commencent à le savoir, c'est bien si elles commencent à retrouver de la fierté, c'est bien si elles commencent à apprécier le chemin parcouru, parce qu'elles n'ont pas rien fait, elles ont tout fait, et elles l'ont fait de tout leur cœur. Oui, alors il y aurait beaucoup à dire, et pour ça je vous invite à lire ce livre sur aussi moins bien payé, plafond oui. de verre. Tout à fait, vous avez raison Louise, bien sûr, comme j'ai fait une enquête, que tous les témoignages, je les recoupais aussi avec les chiffres INSEE, les enquêtes qu'on pouvait trouver, Ipsos et compagnie. Il y a beaucoup de matériel, mais qui n'était pas agrégé avec cet angle génération X, femme de la génération X. Mais évidemment, il y a toujours... Pourquoi on avait tant de mal à trouver notre place? Parce que de toute façon, on valait toujours moins qu'un homme. Oui, il y avait quelque chose de non-dit qui était là, d'être un peu... un objet, un gibier, ou je ne sais pas. Oui, oui, oui. Hein? Ah oui, oui, mais je suis d'accord, Louise. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée parfois avec l'impression d'être une proie au milieu de loups. L'homme est un loup pour l'homme et un relou pour la femme. Merci, Mystique. Ah oui, ça, c'est bien. Elle est bonne, celle-là. Très bien. Bah, écoutez... maintenant qu'on a subi, on va faire une pause musicale pour digérer ça. On va continuer par écouter Tony Scott, Jazzman, qui a fait un album sur le zen. Donc, The Murmuring Sound of the Mountain Stream. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Laurence Catoire pour la parution d'Éclore enfin aux éditions Le Duc et dans d'autres éditions aussi, me semble-t-il. Oui, il est sorti en poche sous le titre Affirmez-vous chez Pocket. Super. Alors, on suivait cette chronologie dans votre ouvrage et le moment clé, c'est la découverte de la méditation. Oui. Me semble-t-il. Ah oui, absolument. En plus, le premier séminaire de méditation auquel j'ai assisté s'appelait Le Moment Clé. Donc j'ai beaucoup, j'ai trouvé drôle, intéressant et pertinent de reprendre ce titre. Ça s'appelait Le Moment Clé entre la confusion et l'éveil. Et ça a été un choc. Ça a été un choc, je le raconte dans le livre. Ça a été un séminaire très important pour moi. On pourrait dire un séminaire fondateur. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, toutes ces petites Marie-Laurence ou ces grandes Marie-Laurence ou ces drôles de Marie-Laurence dispersées, courant après la vie, pouvaient se rassembler, pouvaient s'unir pour former une personne plus ouverte, plus réelle, plus authentique, si j'ose dire, mais surtout plus réelle, plus ouverte, plus vivante, plus présente. La découverte de la méditation, ça a vraiment été... la découverte d'une possibilité d'être là, de tout mon corps, de tout mon cœur, et pas seulement enfermé dans ma tête, comme on m'avait appris à le faire et comme je savais très bien le faire depuis toutes ces années. Donc voilà, ça a vraiment été un séminaire, une plongée, une immersion dans la méditation pendant une semaine, avec beaucoup d'enseignements, avec beaucoup de pratiques. Et ça a vraiment, il y a eu un avant et un après. J'ai découvert que notamment je pouvais, enfin je pense que le plus important, c'est que j'ai découvert que je pouvais faire face à mes peurs, on ne nous dit pas assez que la peur de la peur est pire que la peur elle-même, et qu'il y a des possibilités, il y a des outils, il y a des moyens de rester face à cela. Eh bien justement, j'ai choisi de lire un extrait où il est question de vos peurs. Donc ça se passe durant cette retraite. Ces morceaux de vie immobiles sont de toutes les couleurs, pleins d'émotions fortes, de sensations vives. Restant assise sans bouger, sans parler, je n'ai aucun moyen d'éviter ces montagnes russes où alternent cette colère verte et ce parfum de nostalgie, cette anxiété grise et cette confiance inexpliquée. J'espérais me retrouver. Je ne m'attendais pas à me découvrir si émotive, passionnelle, furieuse, vivante. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ma vie soit passée au Karcher, qu'elle puisse à ce point être nettoyée des croyances dont je l'avais encombrée depuis toutes ces années. Pendant une semaine, je vais découvrir mes peurs, celles que j'ai tenté de camoufler pour rester opérationnelle en toutes circonstances. Je vais les découvrir et les affronter, une à une, jour après jour. Oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est assez impressionnant, hein, mais comme on a la pratique et qu'on nous apprend à nous asseoir pleinement là où nous sommes, on découvre une force de la présence corporelle qui est un vrai cadre, qui est un vrai réceptacle à ces émotions et à ce côté impressionnant que peut avoir le fait de regarder sa vie en face. Et je vous coupe la parole, Louise, non ? Ça va, pas du tout, je ne parle pas. Mais j'ai des choses à dire, oui, en effet. Oui, je vous écoute. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est, et je prends un extrait là, du livre, hein, je lis vos mots. « Comment faire entrer dans un bilan la poésie du quotidien, les émotions, en les transformant en produits consommables ?» Vous dites aussi... Elle me fait, je parle de la méditation, je pense, elle me fait passer d'une vision comptable du monde, celle qui prédomine aujourd'hui, à une vision basée sur la relation à l'autre, car en réalité, la seule urgence, c'est la relation humaine. Oui, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire, c'est que la méditation, en fait, c'est un outil de déconstruction très puissant. Les féministes parlent, hein, de déconstruction, et c'est vraiment important ce travail de sortir des injonctions qu'on nous a imposées, mais qu'on a bien assimilées et qu'on finit par s'auto-imposer, sortir des croyances sur tout. On a des croyances, on a voire des préjugés.
Et vraiment, la méditation, c'est cet outil de déconstruction, je l'affirme, accessible à toutes, très disponible, accessible à tous, bien entendu aussi, très, très disponible et qui permet petit à petit, bon, je dis passer la vie au Karcher, mais on peut, moi, ça a été en mode Karcher, mais on peut y aller plus doucement que ça, mais en tout cas, ça permet de se défaire de toutes ces peaux accumulées, de tous ces rôles sociaux, encore une fois, accumulés, de toutes ces croyances accumulées, de toutes. Et ça nous libère des injonctions sociétales, ce qui est vraiment très important. Donc, c'est un outil de déconstruction puissant. On en parle souvent, voilà, comme une manière de retrouver voilà, un petit peu de repos, de paix. Et c'est vrai que c'est une véritable pause, mais c'est bien plus puissant, ça va bien au-delà de ça, la méditation. C'est vraiment une manière de revoir sa vie, de reprendre, de tout reprendre à zéro. Oui, alors j'aimerais rebondir, et je pense que vous serez d'accord avec moi, puisque je prends cette parole près d'un maître zen, Pierre Philippon, qui disait... premières années où je l'ai rencontré, méditer, c'est expirer les conditionnements. C'est magnifique. Je trouve ça très beau. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. Expirer les conditionnements, c'est exactement ça. Donc, par la clairvoyance que nous amène cette manière de juste nous poser sans rien faire, sans but, dans un cadre de temps déterminé, ça nous permet de voir ces conditionnements et... on peut tout à fait imaginer qu'à chaque expiration, on se libère petit à petit, on expire ses conditionnements. Très bien, alors on arrive à cette partie de votre ouvrage qui est Renaître. Et là, en fait, vous nous donnez des conseils très intéressants, je trouve, sur comme créer un réseau affectif, réhabiliter le mot sororité. Oui, tout à fait. Effectivement, le livre est en trois parties. Je montre d'abord la situation, subir. J'explique comment j'ai compris qu'un autre chemin était possible que celui de la docilité parfaite. C'est pour ça que ça s'appelle Manifeste des femmes indociles. Mm-hmm. Un autre chemin est possible. Et après, je donne des pistes, à partir là aussi de ma propre expérience et de mes découvertes, sur des moyens de reprendre goût à son corps, quel qu'il soit, goût à la vie, quelle qu'elle soit. Et effectivement, j'ai découvert la danse, j'ai découvert et je ne danse pas particulièrement bien, c'est pas du tout le propos, mais j'ai découvert une liberté de mouvement, j'ai découvert beaucoup de podcasts, et quand vous parlez du réseau affectif, c'est vraiment un direct lien avec ma découverte du travail de Victoire Thuaillon. Le cœur sur la table, où elle parle, je la cite bien sûr dans le livre, et je cite l'épisode de son podcast où elle parle de la création de ce réseau affectif. C'est très intéressant. Elle montre, et comme beaucoup de femmes, parce qu'elles ont beaucoup travaillé sur la question, que le seul amour possible n'est pas juste la relation amoureuse qui est merveilleuse, mais qui est très localisée, étriquée et peut-être étriquante, mais qu'il est possible, et surtout en cas de désespoir ou de problème, d'avoir un réseau affectif beaucoup plus soutenant qu'un simple amoureux, une simple amoureuse, un simple compagnon, une simple compagne, même si encore une fois c'est très beau d'être amoureuse et amoureux. Et donc ce réseau affectif qui passe par des amis, mais aussi par des collègues, redonne place à des dimensions de relations humaines qui ne sont pas très valorisées dans notre société. La relation pro, c'est forcément une relation pro. L'amour, ça n'est que la relation amoureuse. Mais en fait, il y a des petites graines d'amour un peu partout. Et dans chaque relation, quand on rencontre quelqu'un, on peut sentir une forme d'amour, bien sûr. Et c'est à partir de là qu'on peut créer un réseau affectif soutenant. Ouais, c'est bien cette expérience... nous amène la méditation malgré tout, même si elle est personnelle et que c'est toujours un peu difficile d'asséner des vérités. En fait, on parle jamais que de sa propre expérience. C'est de ressentir le lien avec le vivant, de ressentir plus d'amour, quoi, avec les animaux, avec les autres êtres humains. Absolument. Et c'est vrai, ressentir davantage la relation, ça c'est vraiment un cadeau de la méditation, et ça nous rend aussi beaucoup plus tolérant, c'est-à-dire que voilà, c'est y a tellement de personnes, tellement d'êtres vivants et tellement de situations qui méritent notre amour, qui méritent notre attention. Simone Veil dit l'attention, c'est de l'amour, hein.
Donc voilà, c'est, je veux dire... C'est vrai. Oui, oui. Très bien, nous allons maintenant écouter un dernier morceau de cet album de Tony Scott. Et ce morceau-là, c'est « Is Not All One ». Écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec Marie-Laurence Catoire qui a publié Éclore enfin chez Le Duc et En Poche. Alors, arrive un moment qui m'intéresse absolument. J'ai toutes les oreilles complètement ouvertes. Vous allez nous parler de la Prajna Paramita. Oui, je vais l'évoquer. Écrire ce livre sur les femmes de la génération X et sur ce qu'elles et sur les emprisonnements tout particuliers qu'elles ont connus et puis sur l'invisibilité notamment qu'on connaît encore, ça m'a amené à me poser la question, moi qui médite et qui étudie la méditation et le bouddhisme et notamment le bouddhisme tibétain depuis plus de 20 ans, je me suis dit mais en fait toutes les figures références que j'ai, moi, tous les modèles que j'ai dans cette tradition que j'adore et que j'ai étudiée avec beaucoup de sérieux, sont masculins, à commencer par le Bouddha. Mais tous les maîtres de ma lignée, toutes les figures que je peux voir quand je suis dans une retraite bouddhiste, toute l'imagerie, les statues sur l'autel sont des figures masculines. Donc je me suis dit, mais est-ce que les femmes existent dans le bouddhisme en fait ou est-ce que c'est juste un accessoire tout à fait inutile? Bon, j'avais bien ma petite idée, mais quand même il fallait que je fouille. J'étais assez ignorante, donc je me suis mise au travail.
Et j'ai été stupéfaite, en fait, de me rendre compte qu'à la base même du bouddhisme, il y a un principe féminin, comme du reste dans beaucoup de traditions. Mais là, c'est tout à fait clair. À la base du bouddhisme, avant tout, il y a un principe féminin qui est la mère de tout. On l'appelle la mère de tous les Bouddhas, qui est l'origine de tout, qui est le sol et le ciel incommensurable d'où tout émerge, c'est Prajna Paramita. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur les paramitas, et pour moi, la Prajna Paramita, c'était la sixième étape d'un chemin à travers les paramitas, où on travaille toutes les actions vertueuses pour essayer de devenir une meilleure être humaine. Oui. Et on y travaille sérieusement et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais quand j'ai découvert que Prajna Paramita, non seulement était cette sixième paramita, cette claire vue, cette clairvoyance, cette sagesse, mais qu'elle était surtout le principe féminin à la base de tous les enseignements que je recevais, mon cœur a explosé de joie. Et donc, voilà, Prajna Paramita, c'est vraiment le principe féminin qui désigne une certaine forme d'énergie, une certaine atmosphère aussi qui est particulière. Et le bouddhisme, c'est vraiment intéressant de l'étudier, puisque le bouddhisme tibétain s'est complètement articulé à partir du principe féminin et du principe masculin. À tel point que dans cette tradition, il est dit qu'il est impossible d'atteindre l'éveil sans l'union des deux principes. Hein. Et beaucoup de maîtres et beaucoup de tantras disent qu'il est impossible d'atteindre l'éveil pour un méditant s'il méprise les femmes, par exemple. Donc, parce que, pour le dire très grossièrement, c'est très, 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 très subtil. Donc là, je vais le dire très grossièrement, mais c'est vrai que souvent, le principe féminin est assez visible chez les femmes, ou peut-être plutôt visible chez les femmes, et le principe masculin est assez visible chez les hommes, ou plutôt visible chez les hommes. On est porteur des deux, on est porteuse des deux, bien entendu. Mais souvent, on associe quand même le féminin à la femme et le masculin à l'homme. Donc, c'est important, là aussi, d'avoir tout ce travail et tout ce sol de la Prajna Paramita pour dire « Oui, nous les femmes, nous existons. Nous avons non seulement pleinement notre place dans la spiritualité, mais nous sommes même indispensables à un chemin spirituel, à un chemin d'éveil digne de ce nom. » Et malheureusement pour le monde, nous sommes dans un contexte, dans un monde, dans une époque, dans des sociétés où le principe masculin est très, très, très fort, où il a pris quasiment toute la place. Donc, donc tout ce qu'on subit en ce moment et tout ce qu'on vit, le féminisme, c'est pas juste une petite... voilà, c'est pas des corpuscules de femmes qui veulent plus d'argent ou je ne sais quoi. C'est vraiment, je pense... si on le ramène à la spiritualité, c'est vraiment un profond mouvement qui n'aspire qu'à un nouvel équilibre entre féminin et masculin. C'est pas du tout qu'on veuille pas du masculin, on en a absolument besoin, mais quand on arrive à ce point-là de déséquilibre où tout est, vous parliez tout à l'heure, vous lisiez des extraits du livre, de cette vision calculante, comptable, tableau Excel du monde, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rapprocher du masculin. Le principe féminin, c'est beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de possibilités, de potentialités, de naissance, enfin voilà. De rondeur. De rondeur. Voilà, donc je pense que étudier Prajna Paramita, rencontrer cette figure magnifique qui s'est manifestée par bien des... les taras, hein, toutes les taras dans le bouddhisme tibétain sont des émanations de Prajna Paramita, Vajrayogini, Yeshe Tsogyal, enfin... Et se redécouvrir... Pour moi, en tout cas, et pour les femmes de ma génération qui aspirent à une dimension spirituelle où elles pourraient avoir leur place, eh bien, redécouvrir ces figures féminines, ça nous donne justement des modèles. C'est très, très beau, les modèles masculins. Moi, j'adore les maîtres que j'ai étudiés de la lignée. Encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais aucune référence féminine. Donc forcément, il manque quelque chose et forcément, ça vous rend un tout petit peu minable dans votre chemin, parce que vous dites, bon bah ok, je vais essayer moi aussi de devenir un jour un homme. Moi aussi, je vais essayer d'être un homme comme les autres, je vais essayer, parce que en fait, si je veux devenir éveillé, c'est le point de passage obligatoire. Eh bien, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que ces études-là me passionnent, et j'ai démarré un travail qui est encore tout frais, hein. J'ai démarré le travail il y a 2 ans,
sur les femmes dans le bouddhisme et sur cette étude de Prajnaparamita. C'est pour ça que je vous dis les choses un peu en raccourci et que je ne prétends pas du tout être une tibétologue spécialiste des figures féminines. Il va falloir encore quelques années, mais justement, ça me passionne parce que j'ai du pain sur la planche et je suis très heureuse de pouvoir travailler cette voie qui va équilibrer et qui va nous proposer une articulation entre méditation et féminin, une articulation entre le MLF, ça pourrait être la méditation pour libérer les femmes. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose à faire, à travailler là, qui peut nous aider toutes et tous à un peu plus d'équilibre dans notre vie et dans nos chemins spirituels et dans notre manière de respirer. Mais très bien, vous reviendrez parce que on fera un thème complet sur ce sujet, si vous voulez bien. Avec grand plaisir, Louise. Je crois que ça vaut vraiment le coup. Peut-être que maintenant, on peut rencontrer une chanteuse que j'aime beaucoup, qui est une femme aussi intéressée par la spiritualité et qui médite aussi. Donc, je voudrais échanger au téléphone avec Lucia. Oui, je suis là, je ne sais pas si... Oui, on vous entend. Vous m'entendez, je suis là. Bonjour. Bonjour Lucia, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes une chanteuse, autrice qui, comme je le dis, qui s'intéresse à la spiritualité. Je crois que ça, c'est vraiment très important par rapport à votre engagement, à vos textes. Vous êtes aussi une femme, une chanteuse, une artiste qui aime le rock et électro. Et après un épisode crazy, on va dire, on a déjà découvert vos compositions sous le nom de Louve, oui. qui est aussi votre animal totem, me semble-t-il, Louve et les étoiles. C'est ça, ouais. C'était un premier essai d'album. Après, c'est vraiment... comment dire, dans la même lignée que ce que je fais actuellement. Hein. C'est effectivement la spiritualité, la musique sont indissociables pour moi. La musique est un prétexte pour transmettre, j'insiste en toute humilité, mon chemin spirituel, parce que je suis née comme ça et que depuis que je suis toute petite, c'est ça qui m'appelle. Quoi. J'ai toujours eu besoin d'aller chercher... qui j'étais au-delà de mon corps. Quoi. Petite, je me fixais dans le miroir et je ne comprenais pas ce corps. J'avais envie d'écarter mon visage pour aller voir qui j'étais. J'appréhendais que j'étais bien au-delà de juste ce corps. Bon, après, j'ai eu ce passage crazy qui m'a ramené au corps. Peut-être que j'en avais besoin aussi. Hein, c'est peut-être pas pour rien. Oui, crazy, donc crazy horse, puisque vous avez été 10 ans danseuse. Alors, Marie-Laurence là, et moi-même, on est très attentive à ce que vous dites. Et pouvez-vous nous parler de ce nouveau projet sous l'identité de Lucia et de ce premier titre qui est là, Dialogue avec trois petits points. Du coup, je suis passée de Louve à Lucia parce que c'est passé quelques années entre les deux albums et entre-temps Louve avait été j'avoue pris et repris comme pseudonyme donc j'ai fini par abandonner mais en gardant l'étymologie de Lou et en trouvant un mélange avec les lettres de mon prénom j'ai trouvé Lucia et il se trouve que ça veut dire c'est un prénom qui existe que je ne connaissais pas et qui veut dire lumière donc je me suis dit je suis encore dans le thème de l'obscurité avec Louve et de la lumière avec Lucia. Donc peut-être que je vais éclore enfin, pour reprendre le titre. C'est ça. En tout cas, bon, c'était drôle, quoi, parce que c'est un de mes sujets de prédilection, de traverser sa part d'ombre pour essayer justement d'aller se remettre en contact avec ce que l'on est profondément. C'est-à-dire pour moi, juste une énergie d'amour dans tout ce qu'il y a de vaste et de puissant et dialogue avec, j'avoue qu'à la base, ça devait s'appeler dialogue avec l'amour. Après, ça n'a pas plu à certains, j'ai écouté, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre des points de suspension, parce qu'effectivement, l'amour, c'est tellement vaste. Je me suis dit, ça laisse la porte ouverte, et peut-être que ça, à l'écoute, ça peut faire éclore chez chacun des images qui leur sont personnelles, et
et découvrir chez eux quelque chose de personnel. Je ne suis pas obligée d'imposer ma traversée à moi. Toujours est-il que c'est vrai que moi, ce dialogue, c'est avec l'amour que je le fais, et c'est-à-dire que ce sont comme des retrouvailles, quoi. C'est-à-dire qu'on s'évertue à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui se trouve en nous profondément, et c'est en faisant cette traversée intérieure que je pense qu'on a le plus de chances de se retrouver en contact avec ça, et notamment à travers la méditation aussi. Ça fait partie de mes outils de prédilection, mais voilà, il y en a plein d'autres, hein. Chacun fait sa propre traversée, et puis c'est pas un chemin de repli sur soi, au contraire, c'est-à-dire qu'en ayant de nouveau accès à cet amour, et puis pour moi, l'amour que l'on a en soi, enfin cette énergie d'amour et nous-mêmes, c'est indissociable. Si on est coupé de cet amour en soi, on est coupé de soi. Donc cette reconnexion à soi, c'est après pour qu'elle rejaillisse sur les autres, dans, sur les autres, et dans n'importe quelle relation que l'on entreprend, c'est le socle d'une relation harmonieuse, quel que soit le domaine, quoi. Donc très bien. Voilà. Ah ben c'est super. Et donc avant qu'on écoute ce morceau, qu'on le découvre. Est-ce qu'il y a un projet plus important, un EP ou d'autres titres qui vont arriver ? Oui, pardon. Oui, on aimerait faire un EP déjà pour commencer. On a aussi un joli clip. J'en suis vraiment ravie. Un clip qui est prêt, qui sera certainement diffusé à la rentrée. On a déjà planté les graines avec ce titre qui résume assez bien l'univers dans lequel j'aimerais plonger. Les auditeurs, mais on a un joli clip qui arrive, qui a été réalisé par François Rousseau. J'ai une énorme chance parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands, et j'ai eu la chance parce que le compositeur, c'est Vadim Erudachi, quand même, qu'il faut que je cite. Bien sûr. Qui est totalement à l'écoute de ce que je fais et qui comprend très bien ce que je veux, donc c'est pareil, c'est une énorme chance. Et donc, il m'a fait rencontrer François Rousseau, qui a aimé le titre, et voilà, on a ce clip. Un prochain titre qui va sortir à la rentrée, mais j'avoue que j'ai hâte de le partager. Je l'ai vu, il est très beau. Eh bien, ouais. J'imagine qu'ensuite sortira d'autres titres, peut-être un album. Ouais. Bah oui, on verra si on arrive à aller jusque-là. Ah bah oui, mais vous êtes bien parti là. C'est sûr que vous allez y arriver. Bon, bah écoutez, en tous les cas, j'étais très, très heureuse, ainsi que Marie-Laurence et tout le monde, de vous entendre parler de votre projet. Et puis maintenant, on va écouter ce morceau en direct. D'accord, bah merci à vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Je n'ai pas entendu ton appel.
Alors Marie-Laurence, après l'écoute de cet excellent titre de Lucia, Dialogue avec, trois petits points, vous vouliez dire quelque chose? Ah ben j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, alors déjà, ça me rappelle de très bons groupes et de très beaux morceaux des années 80, 90, complètement à la sauce 2024. Hein, c'est vraiment retravaillé avec intelligence, mais il y a des réminiscences de Taxi Girl, même d'un petit peu de Stranglers, enfin vraiment des groupes que j'ai tellement aimé. Ça rappelle, ouais, vraiment toute une mouvance où la musique se libérait aussi. Hein, c'est une forme de rock, mais qui se libérait beaucoup là, dans les années 80, 85. J'adore. Et puis, ça me fait penser que la femme et le principe féminin, c'est aussi un principe et une énergie très puissante. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la femme est douce et l'homme est fort. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est à déconstruire également, notamment dans la spiritualité. Le principe féminin, c'est vraiment, et dans le bouddhisme, c'est vraiment un principe d'une grande puissance qui est capable de trancher, qui peut se manifester sous des formes de déités courroucées et qui, par compassion, vont réveiller les êtres humains de façon assez farouche. Mmh. Écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir eu cette idée de vous réunir toutes les deux, même si Lucia n'est pas venue physiquement ici. Elle était avec nous. Voilà, et je trouve aussi que c'est assez intéressant de ne pas avoir du ton sur ton, genre on parle spiritualité, on a automatiquement des cloches et des petits oiseaux. Donc... dans le dernier séminaire que j'ai enseigné, c'était sur l'amour, justement, sur l'intelligence de l'amour, et j'ai passé du Kate Tempest. Donc, j'adore. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Louise. Ah ouais, elle est super, Kate Tempest. Ouais. Alors, pour finir, avant de nous quitter, avez-vous une actualité, des choses à annoncer, des projets? J'ai l'intention d'organiser des retraites pour femmes, pour des petits groupes de femmes, pour que justement, avec la méditation et avec des pratiques très particulières auxquelles je me suis formée là, ces dernières années, on puisse voilà, retravailler une place entière, digne, équilibrée du féminin et de la femme. Voilà, ça me ferait vraiment, ça me motive beaucoup que d'essayer d'accompagner ces femmes dont je parlais en début d'émission, qui ont tout pour elles et qui pourtant souffrent de ce complexe d'infériorité, de ce sentiment d'imposture. Ça n'est pas normal, ça n'est pas juste. Et je pense qu'on peut faire du bon travail en se réunissant en petits groupes de 8, 10, 12 personnes et en travaillant à partir de la méditation et à partir de nos obstacles et de cette manière douce de faire face à nos peurs. On peut vraiment les aider à éclore enfin, à toutes éclore enfin. Donc voilà, ça c'est prévu à partir d'octobre, novembre, je vais proposer ça. Et c'est juste parce que, en vérité, dans le cadre de mon activité pédagogique, j'ai rencontré récemment une jeune femme, mère de jeunes enfants, hein, qui était exactement au bord du burn-out, n'avait plus du tout d'espace pour elle, pour respirer, etc. Oui. Comme quoi, les choses ont changé, mais... Les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les choses évoluent, mais voilà, on a, comme je le disais tout à l'heure, encore du pain sur la planche et faut rien lâcher. Faut rien lâcher, y compris dimanche prochain, mais il faut vraiment rien lâcher parce que rien n'est jamais acquis, en fait. Rien n'est jamais acquis et les libertés, on les perd certainement beaucoup plus vite qu'on ne les gagne. Et notre place, on peut la perdre beaucoup plus vite qu'on ne la gagne. Donc voilà, ça reste d'actualité. Ça reste absolument d'actualité que d'accompagner ces êtres humains qui sont absolument légitimes et qui ne le savent pas toujours. Très bien, mais écoutez, ça a été réellement un grand plaisir de vous avoir dans l'émission aujourd'hui. Merci Louise. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous revenez quand vous voulez. Merci. Je serais heureuse de vous accueillir. Alors moi, j'annonce effectivement, compte tenu de l'ambiance actuelle politique en France, une émission spéciale qui est prévue vendredi de 17h à 21h. Libre antenne avec des invités,
Donc il y aura Jean-Marc Gélin, Gassan Moubarak, Patrick Léon-Émile, Lydia Ketty et je pense la présidente de l'association, Nadia. Donc, je vous invite à une dernière émission, je pense, pour cet été, enfin avant la rentrée, hein, Respiration, mardi 9 juillet. Le thème sera focus sur les arts martiaux internes et la position de l'arbre. Ce sera une rencontre avec Emmanuel Aglutiner, qui est un expert en la matière. Je suis très, très heureuse de l'interroger. Eh bien, un grand merci à Enrico Mastro Giovanni, notre perle précieuse à la technique. Merci Enrico. Et ben, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, restez positifs et on va y arriver. 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.